Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme, vraiment. Donc là, je reprends le boulot lundi, c'est sûr. Je suis allée chez le médecin, j'ai 12 de tension, c'est yes. Bon bref, en tout cas, merci Aurélie pour ce petit tuyau que tu m'as donné tout à l'heure sur ton commentaire de la dernière vidéo. La dernière vidéo, c'était un haul. Et celle-ci, c'est un haul. Bah oui. Alors, chez Auchan, en ce moment, je ne sais pas depuis quand, mais en tout cas, effectivement, c'était derrière le rayon des plantes, pour info. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les Auchan. Mais il y avait une ribambelle de produits pour les loisirs créatifs, notamment, surtout pour Pâques. Mais un peu de tout également. Enfin, quelques petits trucs variés, mais beaucoup sur Pâques. Alors, je disais que j'aimais pas Pâques. C'est pas que j'aime pas un Pâques. Hein. C'est que, voilà. Les thèmes comme Noël, Pâques, vous savez bien que moi je suis cantonnée à mon scrapbooking pur et dur. Mais je vous avoue que je suis tentée par les ATC, peut-être la carterie, pourquoi pas. Et que j'ai vu des créations tellement mignonnes sur Pâques justement, que là je me suis laissée tenter. Je me suis dit si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine parce que c'est fait peut-être un petit peu tard pour envoyer les ATC sur Pâques. Mais c'est tellement mignon et bon, je me suis aperçue que j'avais quelques petits produits qui pouvaient faire l'affaire. Mais là au moins je suis parée pour Pâques, pour l'année prochaine éventuellement parce que je sais pas si ça va pas être trop tard. Bref, bah, je vais vous montrer tout ça. Bon, par contre c'est pas les prix d'action, c'est entre 2€, 2,50€, 3€ chaque produit. Mais je vais me régaler avec tout ça. Bon bah je vous montre de ça de suite. Alors, j'espère que la luminosité va se convenir parce que il y avait un hyper beau soleil ce matin et là, il fait gris. Alors, je vais commencer par le thème de Pâques. Donc, j'ai trouvé plein de stickers, donc notamment ces petits stickers. Donc là, on a des œufs, des petits lapins. Voilà, ils sont mignons. Et ils m'ont coûté... Mince, j'ai pas le prix. Madame, normalement il y avait le prix écrit dessus, mais je crois que cela était moins de 2€, il me semble. Ensuite, alors ceux-là ils sont vraiment juste adorables. Donc on a les petits poussins, les petits moutons, les petits agneaux, je dirais plutôt. Puisqu'on parle de l'agneau pascal, n'est-ce pas? Des petits œufs. Non, il est choupinou. Et je l'ai payé 2€. Donc, vous voyez, c'est pas les prix d'action. Hein. 2€ plus 2€ plus 2€, ça va vite. Hein. J'ai un peu fait fumer la carte. Hein. Ensuite, j'ai ces deux petites. Enfin, ces deux grandes planches. Ils sont assez grands. Vous voyez ma main. Donc, j'ai une petite main, d'accord, mais. Ce sont des grands stickers qui peuvent être très. Très sympa, j'en trouverai l'utilité, soit pour des albums, mais bon, un album sur Pâques, par contre, ça me branche moins. Alors, pareil, je ne sais plus le prix. Enfin, je ne sais pas le prix. J'ai pas le ticket avec moi et c'est pas noté dessus, mais bon, je vous les mettrai à la limite si je les retrouve. Et celui-ci, ils sont vraiment mignons. Hein. Bon, sinon, je disais un album de Pâques, je crois pas, mais des petites des ATC, des cartes... De cartes, bon, éventuellement. Ensuite, j'ai trouvé alors des stickers en mousse. Pardon. Donc ça, c'est de la mousse et en plus de la paillette. Donc on a des lapins, des carottes et ouais, des carottes et les œufs. Donc voilà, des couleurs un peu punchy, mais on a ceux-là. Alors, je les ouvre pas parce que voilà, je suis même pas sûre de les utiliser cette année. On a les petits lapins. Donc, c'est de la mousse et de la feutrine. Non, c'est de la feutrine, surtout, mais c'est des autocollants. Donc, ça, c'est bien. Donc, les petits poussins, les petits œufs. Là, ce sont deux petits poussins. Enfin, des petits poussins qui sont hors des œufs. Vous voyez ? Bon, ils sont choupinous. Je vous ai dit le prix 2,50€. Alors,
également cela en feutrine. Donc on a des petits poussins de toutes les couleurs. Des petits cuits, des petits poussins, à la limite. On a des roses, des mauves. Et je crois que c'est tout. Et des blancs. Non, les blancs, ce sont des lapins. On avait des petits lapins blancs, des petits lapins roses aussi. Donc en fait, on a des cuits, puis après, c'est le rose, le mauve et le blanc, ce sont des lapins. Alors, on l'a bien chopé, nous. Donc 2,50€ également. Ouais, ça monte très vite. Je vous cache pas que je me doutais que j'avais craqué, mais je m'attendais pas à un montant aussi élevé. Alors j'ai pris ceux-là qui sont vraiment adorables et j'en ai sorti, donc je vais vous les montrer. Hop. Parce que là pour le coup ils sont vraiment mignons. 2,50€. Les autres aussi, hein, je dis pas, mais ceux-là je les trouve trop choupinous. Donc on a la tête de lapin. Le petit lapin entier, alors lui, il est vraiment adorable. Donc ça en feutrine et c'est donc assez épais puisque c'est de la feutrine quand même. Ils sont super bien faits. Ah mince. Ça, il faudrait que je le recolle. Et on a la carotte. Donc lui, limite même hors pack, ça pourrait le faire. Je sais pas trop à quel thème, mais pourquoi pas. Et donc, j'ai pris pour 2€ ceux-là qui sont en mousse et qui sont pailletés. Donc voilà, très mignon aussi. Donc, pour continuer sur Pâques, j'ai des pinces à linge, enfin des pinces, avec des petits lapins dessus. Et ceux-là qui sont vraiment adorables. Donc là, ce sont des pâques. Ensuite, alors, pour Pâques ou pas Pâques, hein, j'ai de la fausse paille, pour éventuellement les décors. Et même sur les cartes ou les ATC, ça peut être sympa de jouer avec ça. Donc j'ai ceux-là, donc j'ai payé 2€. Les autres petits stickers, je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est 2,50€. Et donc j'ai pris celui-là aussi. Donc on a le jaune qui est. Où on a le jaune qui est le même. Donc le jaune et le blanc, le blanc paille en commun, puis le vert et le rose qui changent. Et donc je vous ai dit 2€ le paquet de fausses pailles. Ensuite, alors rien à voir avec le. Rien à voir avec le pack. Hein. C'est vraiment des choses que j'utilise pour diverses créations. Même dans les mini-albums, j'aime beaucoup utiliser cette ficelle. Donc là, j'en ai pris. Donc elle m'a coûté 1,50€ le rouleau. Il m'a coûté le rouleau. Donc j'ai privé trois différents modèles. Celle-ci est plus fine. 1,50€ toujours. Celle-ci elle est plus fine et plus parfaite, plus finie. Alors que là, on a des filles qui dépassent de partout. Elle est rugueuse. Et celle-ci qui est plus foncée. Qui ressemble à du. Oh, je sais plus. À du chanvre. Un petit peu, je trouve. Oh non. Enfin bref, j'en sais rien. Donc voilà, ces bouts de ficelle, enfin ces rouleaux de ficelle. J'ai trouvé plein de masking tape. Alors, je vais commencer par ce lot-là, ce gros lot. Pour. Je l'ai mis sur un pinceau pour que ce soit plus simple à vous montrer. Pour 3€, j'ai ces petits masking tape. Donc, les petites fleurs. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils sont dentelés. Vous voyez, les bords sont en dentelle, enfin sont en petite vague, enfin ouais, en petite dentelle. Donc ceux-là qui sont plutôt basiques et encore, je pense, sont très, enfin, très jolis. Là, on a des petits
chats qui... Alors, attendez, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Des petits chats. Des fraises. Ceux-là, ils sont pas dentelés, mais... Et là, voilà, des petits symboles de la nature. Donc, pour 3 euros, tout cela. Ensuite, hop, 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 hop. J'essaie de pas tout... J'ai eu pour 2 euros, hop là, ce lot-là. Je voulais vous les sortir, mais... Voilà. Donc, celui-ci, j'en ai un qui ressemble beaucoup, mais ce n'est pas le même. Là, avec des papillons. Et celui-ci en cul de poule, je crois que ça s'appelle. Sympa ce motif cul de poule. Je me rappelle, j'avais des vêtements comme ça. Quand c'était la mode avant. Alors, j'ai trouvé ce ruban. C'est pas du masking tape, ça, hein, c'est du ruban dentelle en fait. Mais alors là, par contre, il est tout. Mais donc autocollant, enfin. C'est du ruban adhésif, hein, mais en dentelle décorative. Donc celui-ci dans les couleurs argentées. Argenté et pailleté. On a des paillettes. Hein. Donc argenté comme ça. Et j'ai pris le même pour, pardon, 2 euros par contre. Vous voyez, 2 euros le rouleau. Ça commence à faire lourd. Hein. Mais ils sont vraiment très jolis. Donc là, dans les tons gris foncé. Et des paillettes, bien sûr. Et il est super joli. Hop. Ensuite, encore du masking tape. Je tiens à préciser que masking tape n'est pas une marque. Masking tape, ça veut dire scotch de masquage, enfin, ruban adhésif de masquage. Ce qu'on utilisait pour les travaux. C'est Washi Tape qui doit être une marque, mais Masking Tape, c'est une marque, mais pas que. C'est ça que je voulais dire. J'en suis persuadée, ça s'appelle du Masking Tape. Parce que moi, je connais Lovely Tape qui a sorti les Masking Tape justement au tout début. Et la marque MT, donc Masking Tape, c'est arrivé bien après. Voilà pour la petite info. Bah oui, madame, je suis madame, je sais tout. Vous pouvez m'appeler comme ça, je m'en fous. Non, non, je vous dis ça parce que je le sais. C'est pas pour me... Non, c'est une information que j'ai eue, que l'on m'a confirmée, on va dire. Et j'étais persuadée de ce que je disais, hein, seulement... voilà, c'est sûr qu'après, il faut vivre avec son temps et s'adapter à l'évolution, mais... Non, je regarde s'il est... Ouais, il est de bonne qualité, en plus. Hein. Il est de très bonne qualité. Donc, je vous ai dit le prix ou pas ? 2 euros. Ces 3 petits masking tape, donc avec les petits chatons, donc tout ça, je trouve ça adorable, surtout que j'en ai vraiment pas... et que je prépare un petit album sur Nookie. Donc ce serait bien quand même que j'ai des éléments pour le décorer. Celui-ci avec les étoiles, bon, il est banal, mais je l'ai surtout pris pour les chats, hein, je vous cache pas. Et les petits nœuds sont jolis aussi. Ils sont tout mignons. Je trouve, moi, en tout cas, hein. C'est pas parce que je dis qu'ils sont tout mignons que c'est une réalité. Pour tout le monde. Oh là là, qu'est-ce que je suis saoulante en ce moment. Je vais arrêter. Hein. Je vais arrêter de... mais j'ai tout qui se casse la figure. Et ce lot de washi tape Vichy. Voilà, je passe du coq à l'âne, j'arrête. Pour 3 euros ce petit lot de washi tape. Alors c'est marrant, on a un machin pour couper là. Mais bon, ça sert quasiment à rien. Et puis je sais que moi je les enlève, je les range dans mon rangement. Donc voilà, Vichy de toutes les couleurs qui est très sympa. Alors, en washi tape, je crois que c'est fini. Masking tape ou washi tape. On va pas chipoter. J'ai trouvé ces pinces avec des belles petites roses, qui sont roses d'ailleurs. Et les mêmes en blanc. Les roses sont très belles. Ensuite, je me suis pris
des baguettes magiques de fées. Alors, il y en aura une qui sera pour offrir. On verra. Mais vous voyez. Et mosaïque, en fait. Donc, on met de la mosaïque dessus. Bon, je vais m'amuser à la faire, mais ça donne une baguette magique. Donc, je vais voir si je les fais les deux, si j'en donne une à ma nièce. Je verrai. Mais c'est mignon. Voilà, je trouve ça mignon. Comme je vous dis, j'ai le syndrome de Peter Pan. Hein. J'ai pas grandi, donc... Des papillons, donc ce sont des stickers, du coup, pour le coup. Jolis papillons, je les ai trouvés très très jolis et je me suis laissée tenter pour 2 euros. Des petits chats qui sont trop mignons. Là, il n'y a pas le prix parce que c'était pas du tout dans le rayon loisirs créatifs, c'était dans le rayon de la papeterie, des fournitures scolaires. Mais ils sont trop choupinous. Alors, pour 1,50€ des cœurs en feutrine. Encore des papillons pour 2€. Dans les tons gris, noir, blanc et avec des petits strass argentés. Des petites pierres, je veux dire. Des princesses, des licornes, etc. Des princes charmants. J'ai l'impression qu'il y a la Belle au bois dormant, il y a Cendrillon. Très joli ce petit carrosse. Belle licorne. Très joli ce château aussi. Donc voilà. Je ne vous ai pas donné le prix des stickers. Ils sont, alors par contre, ils sont hyper chers. 3€ la planche de stickers. Il me semble que c'est... Non, celle-ci, elle est à 2€, pardon. Et celle-ci, elle est à 3€. Donc on a des mots, des petits motifs. Mais ils sont bien en relief. Hein. C'est un bon relief. Hein. Fun. Smile. Voilà, ils sont très sympas. Et ceux-là. Voilà, voilà, voilà. Bah, pour les stickers, c'est bon. J'ai pris... Alors, on en parlait hier soir avec Gwendoline et Mamselle Sushi. Vous savez, Gwendoline, elle nous a présenté la machine, la gig, là, je sais pas quoi, pour faire des motifs en fil de fer. Alors moi, je vais essayer de les faire à la main. Je dis pas que c'est facile, je sais que c'est difficile, mais je vais me tenter à l'expérience. Ceci dit, la machine, elle a l'air très intéressante et quand j'aurai les moyens, je me l'achèterai. Enfin, quand j'aurai les moyens, quand l'envie me dira, je me l'achèterai, mais en attendant, j'ai trouvé du fil métallique. Bon, j'en ai déjà beaucoup, mais ça ne fera que compléter ma collection, surtout que je vais faire pas mal d'essais et que je vais peut-être me louper. Donc, pour 2,50€, j'ai pris ces couleurs-là, les autres ne me plaisaient pas. Il y avait du rouge, du bleu et du vert de Noël, mais j'aime pas trop ça. Là, j'ai du bronze, une sorte de doré bronze. Non, c'est du doré. Hein. Enfin, je sais pas, il y a deux jaunes différents, j'ai l'impression. Ouais, il doit y avoir du bronze, du doré et de l'argent. Et je sais pas si je vous ai dit le prix de 1,50€. Et j'ai également trouvé ces petits rouleaux, tout petits. Il y a quand même 3 mètres, c'est pas mal. Pour 3€. Et en fait, justement, on se demandait... C'est vrai qu'il donne jamais le diamètre en fait, de l'épaisseur du fil. Mais bon, ceux-là sont très fins. Donc j'opterai pour la moitié d'un millimètre. Mais bon, je ne sais pas. Alors, j'ai pris également ces petites perles. Enfin, ces demi-perles, on va dire, à coller. Les autres couleurs ne me plaisaient pas du tout. Celles-ci sont bien jolies, elles sont un petit peu nacrées, elles sont pas mal. Pour 1,50€. Donc voilà, une petite planche de perles. Je me suis pris cette règle, très grande, très longue. Elle fait 50 cm.
Donc elle est en métal. Et elle est attachée. Je peux pas l'enlever, elle est attachée. Mais et elle est assez fine, donc c'est ça qui me, c'est ce qui me plaît également. Pour les découpes, etc. Avec le cutter. Et voilà, tout simple, hein, tout bête. Et pour terminer, excusez-moi, je fais des bêtises. Alors, hop, je vais enlever le papier avant de vous mettre ça. Donc, pour 3,50€, hop, ce petit bloc de papier imprimé recto verso. Il est mignon. Il est mignon, hein, en verso. Il y en avait d'autres qui me plaisaient pas, donc je les ai laissés. Mais ouais, celui-ci me plaît bien pour un thème enfant ou fifi. Un garçon, ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ouais. Donc voilà. Mais ma foi, j'ai fini ce haul. Enfin, de vous présenter ce haul. Donc voilà. Donc Aurélie, bah merci pour le bon plan. Tu vois, je me suis fait plaisir. J'espère que tu te feras autant plaisir que moi demain. J'ai pris note de toutes vos demandes, hein, pour les échanges d'ATC, c'est volontiers. Il va juste falloir que je m'organise et je pense qu'on va s'organiser par mail pour que ce soit plus simple. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo n'était pas prévue, hein, au départ aujourd'hui, ça fait déjà deux vidéos, enfin de suite. Mais c'est pas grave, hein, tant que je suis chez moi, j'ai le temps. Je prépare d'autres choses là, hein, vous inquiétez pas, ça va arriver. Bon bah écoutez, sur ce, j'arrête de parler, encore une fois, je vous souhaite toujours tout plein de bonnes choses et j'espère que... Rien du tout, n'importe quoi. J'espère que vous allez bien, c'est ce que je dis au début. Mais donc je vous souhaite toujours tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.